coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je me rends compte que je kiffe faire ce type de vidéo. J'aime beaucoup vous retrouver, vous parler un peu de mes coups de cœur, etc. C'est vraiment, j'ai l'impression en fait quand je me prépare, voilà, c'est genre quand tu te prépares pour retrouver une copine. Bref, c'est une petite parenthèse. J'avais juste envie de vous dire que ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez bien, vous ainsi que vos proches. Donc les filles, sans plus tarder, comme le titre l'indique, je vais enfin vous parler de la marque Jibril et Gabriel que je ne connaissais pas. J'avais posté sur Instagram, je vous invite à chaque fois à me suivre sur Instagram, with Hasnabi, le lien est en barre d'information. Je vous avais demandé quelle marque voulez-vous que je teste et vous avez été nombreuses à taguer Jibril et Gabriel. Et donc du coup voilà, bah écoutez, c'est chose faite maintenant, je peux enfin vous parler de cette marque. Merci déjà pour la découverte. J'avais déjà vu quelques influenceuses porter leurs vêtements, mais franchement voilà, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Et je peux vous dire que le service il est nickel. J'ai choisi donc 5 robes comme vous allez le voir, et ça a mis, accrochez-vous, je vous assure que ça a mis 3 jours à arriver depuis la Turquie, donc Turquie, Singapour, ça a mis 3 jours, j'étais juste choquée. Tout est bien arrivé, super bien emballé, etc. Je vous avais fait un peu je vous avais fait quelques stories, je vous avais fait quelques stories sur Instagram, et donc on va commencer sans plus tarder. Puisque j'ai donc choisi 5 pièces, de très belles pièces, franchement. Et je vous avoue que quand j'ai ouvert le paquet, j'étais surprise de la qualité des coupes, des finitions. Vous le verrez par vous-même de toute façon. D'ailleurs, si vous connaissez cette marque et si vous avez passé commande, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Finition, ça c'est vraiment quelque chose... ouais, je suis une psychopathe, mais je regarde, j'aime beaucoup regarder les finitions parce que je déteste, vous voyez, genre les petits fils qui dépassent ou le bouton qui est mal fixé. Les tissus sont super beaux, les coupes, les finitions, j'ai rien à dire pour ça. Donc on va commencer les filles avec cette première robe que j'ai beaucoup aimée. J'aime beaucoup les motifs fleuris, etc. Après je vous avoue que là j'ai flashé sur cette robe parce qu'il y a du noir, et que noir, crème, bleu foncé, c'est vrai que c'est fleuri, mais ça reste en même temps facile à porter. Je l'aime énormément, j'ai pris une taille S, je crois que j'aurais pu prendre une taille M pour qu'elle soit beaucoup plus longue, mais je la trouve super belle. Le tissu n'est pas transparent, on est sur un tissu comme du polyester, je pense que ce n'est pas du coton, c'est un polyester, pas transparent, il est super joli, j'aime beaucoup les volants, c'est frais, voilà, vraiment rien à dire, très facile à porter, j'aime beaucoup. On va continuer les filles avec cet ensemble que j'ai trop aimé aussi. C'est un ensemble, donc pantalon avec le haut. Alors je vérifie la taille. Donc il n'y a pas de taille, je pense que c'est une taille unique que j'ai choisi en crème. Ça c'est le genre d'ensemble que j'aime beaucoup porter. Vous allez voir, je porterai avec des baskets, porter avec des sandales, porter avec des escarpins. Vous pouvez vraiment passer d'un look de style différent. Et encore une fois, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez utiliser les pièces séparément. Le haut, vous pouvez le matcher avec un jean, un pantalon noir, un pantalon coloré ou autre. De toute façon c'est beige, donc vous pouvez matcher ça avec ce que vous voulez. Et encore une fois, le pantalon qui est avec la tunique, vous pouvez aussi le porter avec plein d'autres tenues. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête comme moi très souvent, vous portez les deux et voilà, vous avez une tenue complète. Alors le prochain article, on est encore dans les couleurs nude, mais franchement les couleurs nude, c'est vraiment, je trouve que c'est une valeur sûre, ça fait toujours chic, ça fait toujours classe, c'est intemporel, ça revient toujours, c'est facile à matcher. J'aime beaucoup cette robe. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que ça fait, vous voyez les poches en haut, ça fait un peu style, ça me fait penser un peu aux vestes militaires que j'ai. Et vous avez donc des poches ici, vous avez des boutons, c'est boutonné, vous avez la petite ceinture. Franchement, ça avec même avec du vert kaki, cette couleur avec du vert kaki, ça peut faire super beau. Avec une paire de baskets, encore une fois. Après, je vois bien cette robe portée donc, comme ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme une tunique. Ouvrir, vous voyez, laisser plusieurs boutons ouverts et porter un pantalon en dessous, ça peut aussi faire super joli. Vous pouvez changer la ceinture, ceinturer avec une ceinture colorée ou autre. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je crois que c'est du S. En fait, il me semble que j'ai pris du S. On va terminer avec deux robes là pour le coup qui sont des robes pour la fête de l'Aïd ou pour les occasions. Robe de soirée, robe pour la fête de l'Aïd ou comme vous voulez. Je pense que vous avez vu cette robe portée par de nombreuses influenceuses en d'autres couleurs. Ça c'est la nouvelle couleur. Elle est juste canon, 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 canon. Le tissu il est super fluide, le tombé. J'avais vu porter, il me semble que c'était Salima qui portait une de ses robes.
que je trouvais juste super belle parce que c'est le genre de robe qui va à tout le monde, vous voyez, même avec une femme enceinte en plus, vous voyez, avec le ventre et tout, c'est super beau, mais ça avec voilà, de beaux escarpins noirs et vous êtes juste prête pour une superbe soirée. Je trouve le tissu, la coupe, tout est nickel, franchement elle est super belle, elle existe en d'autres couleurs, mais là c'est vraiment la dernière couleur, c'est la nouveauté, et c'est vrai que je me suis dit, allez, on va partir sur quelque chose, une couleur que je n'ai pas l'habitude de porter. En même temps, je trouve que c'est une couleur qui reste quand même facilement portable et qui met vraiment en valeur, elle est super belle. Alors le dernier article là pour le coup, c'est un article un petit peu plus bling bling, c'est un kimono abaya noir avec du doré. Vous voyez, c'est bien lourd, hein, elle est bien lourde. Vous avez, ils vendent la robe noire, enfin vous n'êtes pas obligé si vous avez une robe noire. Moi personnellement j'ai une robe noire que je vais porter avec, mais si vous n'avez pas de robe noire unie, je sais qu'il y en a une sur le site internet. Voilà, franchement super belle encore une fois. Ça voilà, abaya toute simple, abaya kimono, mais vraiment pour les occasions pour le coup, puisque vous voyez c'est le tissu est super beau, c'est vraiment c'est assez lourd, hein. C'est assez lourd au niveau du tissu, et j'aime juste trop. Moi en tout cas c'est le genre de tenue que j'aime bien porter, voilà, pour les occasions, pour la fête de l'Aïd, même pour un mariage, franchement regardez, pour un mariage ça passe. Vous pouvez aussi porter ça avec un haut et un pantalon noir un peu ouvert, ça peut faire aussi super joli. Donc voilà les filles pour les 5 articles que j'ai choisi donc chez Ghibli et Gabriel, marque je ne connaissais pas du tout, donc merci pour la découverte, franchement je suis super contente, voilà, et surprise de la qualité des tissus. Donc encore une fois n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez acheté des articles chez eux, voilà, partagez votre expérience, c'est toujours intéressant pour tout le monde tout simplement. Il y a un code promo que je vous mettrai en barre d'information qui vous donne droit, je ne sais plus si c'est à 10 ou 15%. Vous mettrez le code en barre d'information et je vous le mettrai quelque part là, ici en bas. Voilà les filles, écoutez, j'espère vraiment que ce lookbook vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle tenue vous avez préférée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!